une décision importante pour le développement des marchés financiers chinois. Le MSCI, basé aux États-Unis, avait ajouté l'année dernière 236 actions chinoises à son indice des marchés émergents pour la première fois. Cette nouvelle initiative devrait quadrupler le poids de ces actions en trois étapes d'ici novembre. Les retours que nous avons eus de nos clients et notre propre expérience à l'égard de cette inclusion cette année étaient encore meilleurs que ce à quoi nous nous attendions. Le marché est plus accessible que ce que les gens estimaient. C'est pourquoi nous avons immédiatement procédé à une nouvelle annonce qui consiste en une consultation avec nos clients sur une augmentation ou non de 5 à 20% de la valeur des grandes capitalisations qui seraient appropriées et garanties dans les indices. Si cela a lieu, nous proposerons de les inclure l'année prochaine, en mai et en août. Le MSCI, dont les indices sont utilisés par les fonds financiers internationaux pour décider quelles actions acheter dans le monde, va également ajouter 168 sociétés à capitalisation faible ou moyenne en novembre, ainsi que 27 actions du Chinex Board de la technologie lourde. Cette intégration dans les indices de référence devrait apporter des milliards de dollars supplémentaires d'investissements étrangers. Je pense que c'est également la reconnaissance que l'économie chinoise appartient à l'économie mondiale. Nous voyons que le yuan et les indices chinois ont une influence de plus en plus grande sur le marché des actifs. Inclure davantage de titres dans l'indice MSCI signifie que celui-ci reflétera probablement plus précisément la santé de l'économie mondiale. Tout ceci devrait déboucher sur un profil plus mature des investisseurs sur les marchés chinois. Nous allons de l'avant, nous sommes sûrs que l'intérêt spécifique dans les actions A chinoises va continuer à s'accroître au sein des investisseurs internationaux. À terme, cela mènera à une nouvelle hausse des flux de capitaux à destination du marché et surtout un changement des dynamiques du marché et du profil des investisseurs dans les actions A. Le marché n'en deviendra que plus sophistiqué. Les marchés chinois ont longtemps été considérés comme inefficaces en raison de la forte proportion des investisseurs particuliers et de règlements qui ne sont pas en harmonie avec les standards internationaux. Plus tôt cette semaine, la commission régulatoire a promis davantage de réformes pour élever le niveau des entreprises cotées et adopter une attitude plus équitable à l'égard des investisseurs. La Chine prévoit par ailleurs de lancer un conseil d'administration du genre du Nasdaq à Shanghai.